cuisiner vert. Voilà, on va manger vert. On va être totalement Grinch. Et on va se regarder le Grinch. Et... Donc là, j'ai préparé de l'eau verte parce que sinon on éteint cette petite trousse. J'ai mis. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de folie, soirée pyjama total Grinch. On est passé chez Primark. Voilà, je vous ai filmé quelques passages, je vais vous les mettre juste ici. Bon, les chéris, on est à Primark. On est en train de regarder tout ce qu'il y a. Il y a tout du Grinch. Regardez. Quand on rentre à la maison, on vous fait un haul. Mais regardez, il y a même le calendrier de l'Avent Grinch chez Primark, les chéris. Il y a les pinces, il y a les trucs pour dessus le... Maman. On va se faire une super soirée Grinch de Noël, je crois. Oh là là, on va se régaler. On va se régaler, les chéris. Je sais pas, mais je suis une collectionneuse de trousses, donc j'aime. Tu prends le truc cadeau, là, enfin le bonnet des chaussons, moi je prends ça. Regarde, j'ai trouvé le plaid, prends le plaid, obligé. Moi aussi, mais je l'ai pris déjà, moyen. Bon, les chéris, regardez. Gracias. Le sac est plein. On vous montre tout à la maison. Énormément de monde. Lydia, elle est contente. Elle est contente, elle avait peur de ne pas trouver tout ce qu'elle voulait. Ça va, on a trouvé quand même. Pas tout, mais même après. Monia, elle est contente aussi. On se fait une super soirée de Noël Grinch. Donc, on n'a pas pu trop vous filmer dans les magasins. Il y avait un monde pas possible et c'était très très compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On va vous faire le haul de tout ce qu'on a acheté. Puisque chez Primark, vous avez toute la collection du Grinch. Bon, même s'il y a des trucs qu'on voulait, qu'on n'a pas réussi à avoir. Parce que Primark a été dévalisé. Nous, quand on a vu ça, on s'est dit on va se faire soirée pyjama total Grinch. Ce qui veut dire qu'on va cuisiner vert. Voilà, on va manger vert. On va être totalement Grinch. Et on va se regarder... Le Grinch. C'est mon dessin animé préféré, je suis fan du Grinch. Elle a regardé 25 fois, elle connaît par cœur. Des fois le matin, je me mets le Grinch. Le soir, je me mets le Grinch. Je me mets tout le temps le Grinch. Je connais voilà. Par cœur. Et d'ailleurs, si t'as jamais vu ce dessin animé, franchement, regarde-le. Parce que c'est vrai que l'image, je trouve qu'elle donne pas trop envie. Nous, quand on l'a vu, on n'était pas trop motivés de le regarder. Et franchement, une fois qu'on l'a regardé, on a trop, trop aimé. Donc si vous êtes ready les chéris, vous passez la soirée avec nous, soirée pyjama 100% Grinch. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, like et commente, active la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et surtout, si tu nous suis pas sur tous nos réseaux sociaux, vont s'afficher juste ici un seul pseudo, Molly Mof. Rejoins-nous partout pour ne rien rater, parce que comme je vous le dis à chaque fois, je vous partage des contenus différents sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez suivre l'incroyable famille Molly M, rendez-vous sur Snapchat. On est hyper active là-bas. Et d'ailleurs, bonne nouvelle les chéris, si vous nous suivez déjà, vous le savez déjà, mais si vous ne nous suivez pas encore, vous ne le savez pas, on s'est fait certifier sur Snapchat. Voilà, ce qui veut dire que nous avons la petite étoile jaune comme les Snapstars. Je vous avoue que j'ai encore du mal à y croire, que je me dis mais elle comment pas moi franchement j'étais choquée, je me suis dit moi je suis certifiée mais why? Yes, Molly M is Snapstar, ok? Donc rejoins-nous là-bas et si t'as pas encore Snap, il faut absolument créer un compte Snap juste pour suivre les aventures de Tata Emma. Maintenant j'arrête de parler et je vous montre tout ce qu'il y a là-dedans les chéris. C'est moi qui commence. Donc qu'est-ce qu'on a pris? Allez, on a quand même trouvé beaucoup de choses. Moi j'ai pris ça, je suis tombée amoureuse de ça. Le plaid. Je l'ouvre ou pas? Tu peux même passer le cutter, Maya, s'il te plaît, qui va même. Le plaid énorme du Grinch. Il est vraiment énorme avec la petite capuche. Donc le plaid il était à 20€ les chéris sur Primark. Donc si vous le voulez, enfin chez Primark, pas sur Primark. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas sur Shein. Ça faut le garder, je crois, parce que c'est un mieux. Et c'est après, il y a des. Là, il y a des. Mais non, je pense pas. Là, il y a des piquants. Il y a des trucs. Donne-le. Attends, c'est comme ça avec la truffe. Non, regarde, il y a des choses. Faut enlever la cache, Mounia. Non, je le fais. Tire-toi. Je ne veux pas le casser. Voilà. Waouh. Ah, ouais, il a l'air énorme. Il est. Mr. Grinch. Énorme, Mr. Grinch. Ah, oui, il est grand, hein. La capuche. Attends, je me le mets. Je le mets là. Tu le mets à l'envers. Il est à l'envers, la chérie. Il est. Énorme. Non, la capuche, là. Voilà. Donc on a le plaid. En plus de ça, on a
le pyjama qu'on a pris pyjama. En S parce qu'il n'y a plus de taille, d'accord, tellement c'est dévalisé. Lilia l'a pris en S. Lilia dans du S, s'il vous plaît. Voilà, mais dans tous les cas, elle a le plaid au cas où. Donc ouais. Après, elle peut mettre n'importe quel pyjama. Du moment qu'elle a le plaid, elle est dans le thème. Alors, regardez le petit pyjama. Il est tout doux. J'aime trop la moitié du pyjama avec la tête du Grinch. Avec qui Grinch. Trop bien pour notre super soirée pyjama. Oh yes. Donc les filles, on va tout installer ici, on va manger ici. Donc suivez, vous allez suivre notre recette, vous allez tout suivre. Tout va se passer ici, c'est la soirée pyjama dans la chambre de Tata et moi. On va pas cuisiner ici quand même. Non mais la petite pantalon. La petite trousse. Voilà, ça je pas trop dedans, compris mais bon. Moi j'en ai là dedans, je vais préparer une bonne skincare, vous allez voir. Ça je le montre. Donc Monia elle a pris ça, rien à voir avec la soirée mais en fait, je suis fan du Roi Lion, j'ai tout Roi Lion, d'accord, j'ai tout, mais tout, mon doudou c'est Simba, et du coup vu que je suis fan de lui j'ai pris une petite trousse. Donc doudou c'est Simba, c'est doudou l'outre, c'est Dembo, il y a beaucoup de doudou quand même maintenant. Ensuite, un mug cringe. Voilà. À l'intérieur, pour la soirée, il y a des bonbons Grinch. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait des bonbons Grinch. Regardez, on n'a pas fait les choses à moitié, les chéris. Cette soirée elle va être incroyable. Voilà. Ensuite... Oh, attends, il y a le deuxième pyjama. Il y a des petites pinces Grinch. Comme ça, il y a une verte avec plein de petits visages et une avec un visage du Grinch en Papa Noël. Ils sont trop kawaii. Ensuite, moi, j'ai pris ça. Hein? Regardez comme c'est trop mignon. Le petit de Noël pompon. Du Grinch. Attendez, il faut que je loue ça. Ah, oh, ils sont trop belles. Alors on a pris ça, rien à voir les chéris, parce qu'on aime trop les cocooning et les chaussettes. Donc on a pris ça. Il y a le tuto, je crois. Là. Ensuite. Moi j'ai pris ça. Moi j'ai pris une pochette comme ça, Grinch. C'est pour mettre en décoration, mais aussi parce que maman elle va me... pour mes cadeaux de Noël. Voilà, et après il y a cette jolie écharpe qu'on a pris avec que j'ai acheté 8 euros s'il vous plaît. Et elle est magnifique, elle est blanche comme ça, elle est toute douce. Avec oh, il y a un petit cœur. Avec une belle paire de hugs. Franchement, ça va être incroyable. Voilà. Donc maintenant, on file à la douche, on enfile nos pyjamas, on passe en cuisine avec vous pour notre super repas tout vert. On s'installe ici, on installe tout, on décore tout, on se met le Grinch. Et vous restez avec nous et vous faites cette petite soirée pyjama avec nous. Let's go. Donc moi, je suis sortie de la douche. Du coup, le pyjama ne me va pas. Du coup, j'ai mis un pull de Noël, mes petites chaussettes et un pantalon comme ça. Et je vais mettre mon gros plaid de Monsieur Grinch. Comme ça, avec... Surtout, attendez, le circuit. Voilà. Bon les chéris, déjà on est en tenue. Voilà. Lilia elle est en rouge de Noël parce que Lilia elle va se balader avec sa cape et son plaid. Elle a aussi le serre-tête, elle. Moi j'ai mis ma petite pince, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, là on passe en cuisine et on va essayer notre recette de pâte verte. On vous garantit pas le résultat puisque c'est la première fois qu'on fait ça. Mais le but c'est de manger vert. Voilà, faut qu'on mange vert. Donc on va faire cuire les pâtes. Normal, bouillir. On a de la feta. La feta, on va la faire chauffer dans l'huile d'olive dans une poêle. On va l'écraser. On va mettre du colorant vert en espérant que ça nous fasse une pâte sauce verte feta. Vous voyez ce que je veux dire? Avec des tomates rouges. On va mettre du basilic. Voilà, on va mettre du basilic. Et des tomates rouges comme ça. On est dans le thème. Rouge et vert, ça devrait le faire, les chéris. Donc c'est parti. On remplit la casserole d'eau. On prend les colorants. Et on prend les colorants. Voilà, Lilia, elle prend les colorants dans les affaires. Monia, elle remplit la casserole d'eau. Non, on a pris des colorants. On a ça, donc on va tester avec lui. Et surtout. On va faire chauffer ça avec les tomates à la poêle. Après, si chez vous avez les colorants, tu sais, là, qui colorent avec les bouchons, là, ouais. Pas le vert. Ben faites le mélange d'abord dans un bol et après mettez dans le truc parce que nous on a déjà tout prêt mais ouais. Et du coup on va faire revenir, en fait on va faire un peu le principe de la recette du baquet de feta mais ça sera le baquet de feta du Grinch. Tu sais ce qu'il y a lui, il est pas sucré. Il est pas sucré du coup. De toute façon on va mettre du sel, on va mettre du basilic, on va mettre du poivre. Je sens qu'elle va être excellente. On va tout installer en haut aussi, il faut installer les... Tout installer. De toute façon on montera après avec les plateaux, les assiettes. On va regarder les Grinch, oh mon dieu. On fait quoi comme pâte? On fait des bénévoles. Par contre, je vous conseille, si vous avez jamais regardé le Grinch, regardez d'abord le dessin animé. Parce que si vous regardez d'abord le film, enfin moi je trouve que le dessin animé il est mieux. Ouais, le film on n'a pas aimé. Le film, on n'a pas accroché dès le début du tout. Ouais. Je préfère vraiment le dessin animé. C'est... Et d'ailleurs, dites-nous si vous avez vu le 2 parce que nous on l'a pas encore vu, on voulait aller au cinéma mais on n'a pas été. À côté punaise de lit, on avait peur.
On espère pouvoir y aller bientôt ou alors réussir à la voir en payant sur la télé. Je sais pas, on va trouver. On va innover. On va trouver. Donc, la feta, on va la mettre dans une poêle. Tu veux couper les tomates pour l'instant? Vas-y. Allez, je coupe un peu le... Hey, j'ai préparé une skinny, ma petite trousse. Prends la grande ou la petite? La grande ou la petite? Mais c'est dommage, ils ont pas fait de masque pour le Grinch. Sur ta tête du Grinch, prends masque. Il y en avait, je crois, Primas. Ah bon? Je les ai pas vus, moi. Non, je sais pas. Bah, je regardais bien les masques. Tu crois de l'œil? Elle a tout scruté, je te le dis. Les chaussons, il n'y avait pas ma pointure. Donc, on va prendre des assiettes blanches. On va prendre les fraises. Attends, les tomates, je vais mettre ça, du coup. Mais non, parce que les tomates, on va les mettre à cuire directement dans la poêle avec... Oui, mais pour que je les coupe à même. Ah non, pourquoi on les mettra à cuire? Ouais, on les cuit. Non, mais on les cuit pas, j'aime pas qu'on se cuit. Elle coupe les sur la planche. Ah, mais je les mets dans un bol, non, en attendant que ça cuit. Ouais. Dans l'huile. Venez par là. Tu vas mettre l'huile d'olive. Même la bouteille de l'huile d'olive, elle est verte, chérie. Ah, logique, on est dans le thème. On est dans le thème. Donc, on met de l'huile d'olive, on met la feta. On met que la moitié ou parce qu'on en a deux? Ouais, tu gardes un peu. On met la entière et au pire, ouais. On en a une deuxième, non? T'es sûr qu'on l'a, la deuxième? Oui. On a la feta salakis, c'est la deuxième. Ouais. La feta salakis au bonnet de brebis. Je sais que tu m'as montré pourquoi je dis ça. En plus, voilà. Des bonnes tomates. Ah, j'ai cru. Allez, on va mettre ça et on va l'écraser. Avec ça, non? Non, il faudrait une droite, L. Et on va mettre du basilic après. Ouais, on en a là, non? C'est bien chauffé. Je les coupe en deux ou en quatre? En deux. Ok. Moi je les ai recoupés dans la longueur plutôt que dans la largeur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon les chéris, on a rajouté une moitié de feta d'une autre qui était neuve. Du coup vous voyez ça commence à nous faire une crème de feta. Et on va ajouter du basilic. Du basilic et du colorant. Ouais. Envoyez le colorant. Vous voyez, ça fait vraiment de la crème de fromage. Lilia elle a fini de couper les tomates. Voilà, on est dans le thème rouge et vert. Hein. Et en plus on aime trop ça. Ah, je sens qu'elle va être trop belle, nos pâtes. Et trop bonne. On va rajouter un peu d'huile d'olive, je pense, pour que ça soit un peu plus crémeux. L'huile d'olive, mais la fin, il en reste pas beaucoup. C'est un peu comme ça, un peu vert comme la cape. Donc on rajoute du basilic. Voilà. Et le colorant. Je sais pas. Vous avez mélangé le colorant? Non, c'est moi je fais. Bon, vas-y, je te laisse. Je suis une voilà, basilic. Moi j'ai de l'huile au basilic aussi. Et c'est bon dans ma gourde. Et comme je t'ai donné mon yaourt après quoi. Tu pourrais manger le deuxième? Non, mais là pour monter à ton pied, là c'est trop, bon, ouais. J'abuse pas. Tu peux m'attraper l'huile d'olive au basilic en dessous, s'il te plaît? Donc là maintenant on rajoute le colorant vert. Regardez, ça nous a vraiment fait de la crème de feta. On a mis que de la feta, de l'huile d'olive et du basilic. Hein. Et. C'est exactement la couleur qu'on voulait. Regardez. C'est la couleur vraiment de la cape. Ouais, ça va vraiment nous faire des pâtes vertes. On est au top là, les chéris. Fait... J'en mettrai un tout petit peu plus, non? Léger. Ouais. J'ai les pâtes du Grinch. On va bientôt mettre les pâtes à cuire. Ça, c'est un peu de verre, non? Notre crème, ouais. Regardez. On remue bien les bords, prends bien les bords. Monia vient de faire un cœur dans la... Dans la sauce, c'est trop trop bien. Regardez comme elle est bien verte. On avait peur que ça fasse pas trop vert et au final c'est nickel. Ouais, vraiment. Là, on va faire cuire les pâtes. Donc là, j'ai préparé de l'eau verte parce que sinon on voulait prendre de l'eau à l'amande mais Monia elle aime pas. Du coup, bah, j'ai pris une carafe d'eau et je vais prendre mon colorant et en fait, je vais. Vu qu'en fait, regardez, ça va faire des filets. Tu vois, regarde. C'est trop beau. C'est ça que ça fait. Mais c'est beau. Du coup, ça sera l'eau du Grinch. On laisse comme ça, on mélange pas. Regarde comment ça coule, c'est trop beau. C'est trop beau comment ça se mélange. En envie, on laisse comme ça. C'est trop trop beau, regardez notre eau Grinch. Ça ressemble au Grinch, je crois. C'est trop beau. Mais on la mélange, non? Regardez, moi j'ai une petite touche finale. Regardez, on fait quelque chose. Non, t'es écrit. Ah oui, tu vas dessiner le Grinch dessus. Comme on a vu là, tu sais. Mais avec du noir, non? J'ai pas de noir, c'est le faute. Si, l'un débile, mais c'est pas grave, on fera trois avec du dissolvant. Mais oui. Attends, fais-le alors sur l'un débile. Allez, Tata Emma sort ses talents d'artiste. Est-ce que vous êtes ready? Je vais manger un Babybel, j'ai tout. On a fait un bol de Babybel, on a fait un bol avec du bain et Babybel parce que les Babybel. Le Babybel, il est rouge et vert. Que nous, on est rouge et vert. Par contre, il me faut. Monia, tu peux te mettre en face de moi. Vite fait, je regarde le modèle.
qu'est-ce que vous en dites de la bouteille du Grinch? Oh, je peux qu'il y a Grinch en dessous. Il y a les yeux. J'essaie d'écrire Grinch. Bon les chéris, on a servi des assiettes de pâtes et là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la sauce. Donc ça y est, la bouteille du Grinch est finie. J'ai bien mélangé le tout et du coup regardez comme c'est super beau, j'ai écrit Grinch en dessous. Et là on est en train de servir les pâtes. Voilà ce que ça rend nos pâtes vertes. Bien, on va faire un peu de poivre. Ça sent trop belle. Avec les tomates. Franchement, on est trop fiers de nous. Ouais. C'est vraiment ce qu'on voulait. Ouais, c'est trop beau, regardez. Ouais. Avec la petite bouteille là. Trop kawaii. Voilà notre installation spéciale soirée pyjama du Grinch, les chéris. Là-bas, Lilia a réparé une skincare toute verte. Elle va vous montrer. Elle a son petit truc pour boire. On a nos pâtes, là on a notre petit Babybel, notre petit pain. Comme ça on a le plaid Grinch qui protège Aurélia, pourra se couvrir avec. Et dans cette petite trousse, j'ai mis deux labellos comme ça, verts pour les lèvres. Un gommage vert. Un gua sha et un roller vert. Des petites éponges qui sont vertes. Ça, c'est ammonia pour le visage. C'est un masque. Ouais, c'est un masque. Et après, j'ai pris 3 masques verts, comme ça. Voilà. Maintenant, on va s'installer, on va manger et on va se mettre le Grinch à la télé. Je trouve que t'as une grande télé. Yes. À la téloche. On est vraiment au max, là. Bon, on va se régaler. Ah là, je vais gagner une petite photo snap pour immortaliser, même si je vais pas le poster maintenant, parce qu'il faut pas spoiler, les chéris. Voilà, une fois que cette vidéo sera sortie sur YouTube, je vous sortirai quelques jolies photos sur Snap. Je peux passer. Oui, vas-y. Bref, j'ai très faim, il est 22h, donc... Bon, on passe à table, enfin. Voilà, on a trop faim, là. Attends, trop envie, Bess. Vas-y, Lilia, là-bas. Bon appétit. On va goûter avec vous une fourchette s'il te plaît. Ah pardon ma fille, j'ai tellement faim. Alors c'est pâte. C'est quand même. Elle sent bonne. Elle est tombée. Franchement elle est refaire, elle est pas du Grinch. C'est pas un modèle. En tout cas, pour une recette improvisée, on s'en est sorti vraiment pas mal. Maintenant, on va boire de l'eau verte. Ah, oh, c'est bon, pas mal colorant, ça n'a pas donné un goût. J'ai trop peur que ça fasse un goût. Normalement, les colorants, c'est. Attendez, je me sers. Avec le goût de l'eau, comme d'habitude. C'est trop bizarre. Ça n'a pas le goût. Ça a une odeur de jet de vitre. De jet de vitre, carrément. Moi, je trouve des produits ménagers partout. La vérité, c'est un odeur de jésuite. Hein? Ouais, c'est dans ma tête aussi, vraiment un tout petit goût, hein, léger. Mmh. Tu vois, il n'y a pas de goût? Non. En fait, c'est juste la texture qui est. On dirait que c'est moins liquide. Je sais pas, on dirait que c'est un peu. Moi, je trouve un goût un peu. Ah, potion magique du Grinch. Par contre, ça s'allume pas. Donc, c'est parti. On se met le Grinch. Voilà, les chéris. J'espère que cette soirée pyjama spéciale Grinch vous a plu. Cette vidéo se termine. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye!